Ouais. Donc bonjour et bienvenue sur ce 5e épisode de Cooking Mama. Mais c'était parti en fait, j'avais pas compris. Ouais, ouais c'est d'accord. Bon, on a 12 secondes. Mais... 15 secondes. On rajoute des pommes de terre. 17. On mélange. Des belles pommes de terre. Non mais c'est bon. On va souffler. On va souffler, oui. Oh oui, souffle. Souffle sur ma pomme de terre. À quoi ça sert, une pomme de terre dans ton derrière. Ah, arrêtez les références de cul. Je vais faire carrière. Carrière dans ton derrière. Ouais, voilà. Hélicoptère. Hélicoptère, bah, hélicoptère avec terre, en fait. Ma bite. Mais oui, mais regarde, tu te brûles la main, ta main rougit complètement. Ouais, elle a peut-être trop chaude. Ouais, n'empêche, si t'as pas dans ta tête l'idée du stylet, t'as le mec, il ouvre avec son ki, quoi, la patate, il est plus chante. Ouais, c'est pas faux. Il y arrive. Alors par contre aussi, c'est, je sais pas si vous avez déjà cuit des patates à la vapeur, mais des patates à la vapeur, tu ne peux pas les prendre dans la main comme ça. C'est pas possible. Non, sauf qu'elles étaient bouillies. J'aime pas la pomme de terre, donc j'en fais pas. T'aimes pas juste t'es un vrai mec, tu manges la peau de la patate. Faut pas déconner non plus, mais... Si tu m'invites chez toi, tu me fais des frites, je te les fais manger. Bah c'est fait plus c'est pour le main. Principe. Ah oui, carrément. Genre la viande, et puis d'un coup t'as tout mis. Mais alors comment t'as fait? Parce que... Attends, tu m'expliques. Tu remuais la poêle et t'as mis trois trucs en même temps. J'ai six mains. Ah, oui. Mais c'est avec les pieds, contacts de la DS qui permet de faire plusieurs trucs en même temps, bien sûr. C'est quoi cette espèce de texture dégueulasse là? Je sais pas. C'est vraiment dégueulasse. Moi ça me donne pas trop faim là. Non. Là ça me donne faim. Ah mais c'était de la viande émincée. Ouais. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est tout de suite plus clair. Sauf qu'elle était pas très émincée au début. Oui. Ouais, on continue dans le sol. Pétrile-moi. Oh yeah. Oh remous-moi s'il te plaît. Je vais te pétrir. Ouais, oh, vas-y, fais-moi ma grosse patte blanche. Fais-moi tourner. Oh. C'était très sale. C'était très sale. Très sale. Ah bah on part commencer avec... C'était très sale. Donne une Merci. Forme à ma patte blanche. Voici ce beau match de foot, le gardien qui se prépare à se jeter la balle. Oh là là, passionnant. Plus vite. Fabien Barthez a réussi mieux que Mama. Fabien Barthez. Mama Barthez. C'est quoi comme viande qu'on est en train de préparer là? Du porc. Du relief. C'est pas un petit peu blanc ton porc? Ah, le porc c'est de la viande blanche hein. Gueule, c'est magique. Ouais mais il est quand il... Je m'excuse mais je travaille dans une usine de porc donc je connais la couleur du porc cru. Bah du porc cru. Et c'est pas blanc. Non, c'est pas blanc le porc, oui, c'est rosé. Ouais. Mais quand c'est cuit, c'est blanc. Mais il était pas cuit, on l'a pas cuit. Bah si, on l'a fait revenir dans la poêle. Ah ouais, c'est... Bah non, c'est de la viande émincée. Bah non, là tu es en train de le paner. Ah, on l'avait mélangé avec quelque chose, ok. 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 Ah d'accord. Je comprends même pas comment on peut, on peut faire de la panure comme ça. Ça fait et puis ça y est, c'est fait. What the fuck? T'appuies dessus? Oui. Ok. Bah moi ça me dérange pas. Non, en fait tu le poses, il va... Bah ouais. tu le poses. En fait ils essayent de bouffer le morceau de viande, la panure. Ils s'accrochent dessus. Tu le poses et puis avec les petits bras, le morceau de viande, il va s'enduire de panure, il va faire « Oh, t'aimes ça ?» Et là, tu le fous dans l'huile et ils sont en train de gueuler. Parce que tu fous... Ah, t'attendais qu'il remonte. Oui. J'ai l'impression que t'es un petit peu en avance, on a 4 minutes 20. Ouais. Ouais, 4 minutes 26. Ok. Ah, il est en avance, il se spoil tout. Ouais. Ralenti d'une seconde. Mais non, ralenti ton VLC. Merci de me dire à 4 minutes 26, moi. De ton cul. Ok, donc c'était des croquettes. Ouais. Oui, mais tu sais, ça s'appelle des croquettes. Mon chat sera content. Parce que c'est pané. Parce qu'en fait, c'est des petits morceaux de porc pané, ouais, c'est ça, et ça s'appelle de quoi? Oh, encore les... Ouh... Attends. Vas-y, en fait, couche-moi les croquettes.
Touche-moi la crevette. Hein, mais non, elle fait du breakdance avec sa tête. Oh yeah. Et elle fait tellement bien son breakdance qu'elle s'arrache la tête. Normal. Ouais, comme les danseurs de technique. La tête, une tête musique. Lol. Elle a plus la tête sur les épaules, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Une cravate à des épaules. C'est ce que j'allais dire. La crevette pistolet a des épaules qui maintiennent sa deuxième grosse pince qui envoie des bulles d'air à 4000 degrés. Sa deuxième grosse pince. Tu pannes des. Bah oui, mais ça, t'as jamais goûté ça, toi, Megam? C'est délicieux. Les beignets de crevettes, c'est. Voilà. Ça te déchire. Ah, en fait, j'aime pas trop les crevettes donc. Ah oh, putain. Mais attends, c'est quoi ta connerie de crevettes, je sais pas quoi là? Hein? La crevette pistolet. Ouais, c'est un vrai truc. Oui, c'est un vrai truc. Des bulles d'air à 4000 degrés. Je suis pas sûr que ce soit 4000, il me semble que c'est 500 degrés plutôt. Ouais, déjà 500 degrés, ça commence à faire pas mal, mais. Mais un animal peut envoyer des bulles d'air à 500 degrés Celsius. Wow. Je te retrouve ça. Ah bah ouais, avec plaisir, parce que là, ça. Je comprends pas trop. Un peu comme quand tu pètes, en fait. Ouais, mais ça, d'accord. C'est tellement chaud que ton pantalon brûle. Non, mais moi, j'ai des combinaisons unifugées, moi, donc ça va. Ah, je prends ta chaise. Ma chaise aussi est unifugée, t'inquiète. Tiens, sur le mumble. Ah, ça a l'air bon. Ouais, c'est clair. Je me ferais bien un Asiat, là. En fait, j'en ai trouvé un près de chez moi l'autre jour. Ah. Oh. Mais j'ai rien dit. Oh, c'est dégueulasse. Vas-y, j'ai trouvé un resto. En posant des CV autour de chez moi l'autre jour, je suis tombé sur un Asiat, mais je me souviens plus du tout où il est. Alors ça m'énerve. Tu vas partout dans ton village et ça sent les nems ici. Ah bah ça doit être par là. Non, c'est pas faux. Bah, déjà, genre les chabouillis. Si tu lui as tombé dessus, tu as dû le tuer. Ah non, il s'est ramené, il a fait du kung fu. Ça doit être comme le fameux restaurant d'hamburger qu'il y a dans How I Met Your Mother. Ah oui, jamais. D'accord. Ah ben, c'est spécial comme truc. Ah, c'est vrai. Bon. On devrait étudier cet animal en mécanique des fluides. Peut-être que c'est la future source d'énergie, les crevettes pistolets. Non, c'est le taurien. C'est le taurien. Ah mais les crevettes pistolets aussi, on va en faire quelque chose. Bah non mais c'est chelou, ça crée une bulle en fait, sauf que la bulle du coup elle... Enfin voilà. Il y a tellement de pression et de friction que ça fait 500 degrés. Non, c'est ce truc là, non, je non, l'ai ça trouvé. Ça fait pas 500 degrés, a priori la page wiki que Doc m'a envoyé ça fait 5000 Kelvin. Il fait, je sais pas ce que c'est des Kelvin. Des Kelvin c'est l'échelle de température absolue, ça fait à peu près 5200 degrés. 5300 degrés. Wow. What? The fuck? Ouais, c'est vrai que... Ça peut faire mal, la première fois que tu t'approches d'elle, tu veux la prendre... Non, je dis des conneries. C'est la merde, c'est 4700. Oui, c'est 4700, oui, pardon. Ouais, mais ça fait chaud quand même, hein. Ouais, c'est... Bon, à cette échelle-là, on est plus à 200 degrés près, hein. Ouais, pour vous donner un ordre d'idée, la surface du soleil est à 6000 degrés Celsius. Ah, ça va, ouais, hein. Tu brûlerais la planète avec plein de... Plein de crevettes. En fait, c'était avec la nouvelle génération de Pokémon, la 6ème, il y a Flingouste. Je voulais savoir ça venait de quel animal, comme ça ressemblait pas à une langouste, et j'ai trouvé ça. D'accord. Et ça m'a fasciné. Ah bah, effectivement. Ouais. Le règne animal est plein de surprises. Ouais, donc on fait cuire des oignons. C'est passionnant. On fait revenir des oignons. On fait sauter des oignons. Ouais, là on les fait sauter en l'occurrence. On les faisait sauter aussi tout à l'heure. Saute-moi l'oignon, pardon. Arrête. Oh, c'était oui, sale. C'est quoi les trucs qui à droite? Du sel, du poivre et la bouteille, c'est quoi? C'est de l'huile? Sauce soja. Ah, du soja. Du soja. Ouais, ouais, bah oui, du soja. Ah, faut que je m'en achète pendant les vacances, tiens, ça me fait penser. Musique d'ambiance.
Musique d'ascenseur. Bah, c'est exactement le bon thème musical. Bah oui. Moi, ça aurait pu être bien sur du heavy metal. Ouais, ça aurait vite fait embêter les gens. Ouais, donc je crois qu'on fait une dernière recette. Dark cooking mama, tu sais. Bon, aujourd'hui, on va faire cuire du crapaud. Aujourd'hui, les enfants, on va faire cuire des enfants. What? Allez, Kevin, viens par ici. Regarde comment ta mère... Pour éviter qu'il crie, un coup dans la nuque, sec. Clac! Oh. Mélanger. Souffler. Il tourne, il tourne. T'es en avance, là, encore, Sylvain. Oh, va te faire foutre. Non, on est sur le second soufflé, là. Ouais, oui, c'est bon. On est sur... Mais on est sur doux. Doux. Et tu doux. Ouais, bah, c'est bon. Ok. C'est juste que je les anticipais, mais... Ouais, ouais. C'est, sérieusement, dire, ouais, c'est quoi un suf? Tu es ouais. Un suf-coq. Mais c'est un œuf. Non, c'est, en fait, c'est juste du... Comment dire? C'est du patois québécois, tiens. C'est la version européenne. C'est comme ça qu'on européenne. Dit les œufs là-bas. Ouais, non, mais ils ont pris du patois québécois pour vous et comprenez. Plus un suf. Non, pour eux, c'est un œuf. Et je crois qu'il y a un problème dans leur base de données. Bah, ils ont oui, peut-être pas accepté, là, le O et le E ensemble. Ouais, le E dans l'eau, ils l'ont... Bah, dans les instructions, je viens de regarder, il y a œuf parfaitement bien ouais, écrit, quoi. Il y avait un œuf parfaitement bien écrit, ouais. Ah ouais. Tel qu'ils ont mal encodé les fichiers. Fuck this game. Bon, bah, Shuka, tu dois te refaire en entier. Okay. C'est ça. Bah, regardez, il y a marqué œuf parfaitement. Bah, ouais. Parfaitement, Wow, on va dire. Ah, c'est chaud, on se dit à la prochaine. Ouais, ciao. 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 Ciao, froid. Tchou 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 tchou.